la lande, René, c'est du beau. Il y a plusieurs centaines de bénévoles qui participent à ces captures, mais on est à pas loin de 400 ou 500 personnes à tourner sur une saison comme ça. Il y a 26 ans que je viens là, et j'ai passé plusieurs années de congé en bénévolat. C'est l'heure de l'apéro. Matinée pour l'instant, c'est vrai. Bon, à peu près rien ne s'est passé comme prévu, mais on a quand même deux chevrettes à émetteur de capturer ce matin, donc c'est pas mal. Il nous en reste deux. Donc peut-être que cet après-midi, on aura le temps d'en faire deux, on verra en fonction de comment ça se passe. Maintenant, je voudrais qu'on lève, rien ne se passe comme prévu, et il y a eu un petit souci ce matin, je sais pas, tout le monde n'est peut-être pas au courant, donc je vais en parler. J'aimerais qu'on lève notre verre à l'équipe de Jean-François et sa petite femme, Marie-Pierre, qui ont perdu un chien ce matin à cause d'un sanglier, donc on trinque à espion. Et merci à tous encore, et bonne journée, à tout à l'heure. Aussi avec à midi avec les amis qu'on retrouve tous les ans. Ah oui, ah ben. Allez, planquez des bouteilles de rouge. Ah, je peux dire un peu plus. Surtout que je pouvais mettre ça. Et ça va jouer. C'est une volée qui tournait. Deux notes. J'ai coupé avec mon liche. Et vers 14h, eh bien, on recommence, on remet les filets pour l'après-midi, et ensuite vers